Bienvenue dans la grande interview. Notre invité est le ministre des Affaires étrangères du Front Polisario, M. Mohamed Salem Ould Salek. Bonjour, Monsieur le ministre, et merci d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Bonjour, c'est le ministre des Affaires étrangères de la République sahraoui, membre de la direction du Front Polisario, oui. Alors, on va commencer, Monsieur le ministre, par l'affaire Brahim Ghali, le leader indépendantiste du Polisario, qui a été transféré le 21 avril dernier sous une fausse identité en Espagne pour des soins à la suite de complications liées au Covid-19. Cette affaire, elle est à l'origine d'une crise diplomatique entre Madrid et Rabat. Est-ce que le Front Polisario, la République sahraoui, en tire un bénéfice ? Deux clarifications. Tout d'abord, Brahim Ghali, le président de la République sahraoui et secrétaire général du Front Polisario, n'est pas entré en Espagne avec une fausse identité. Il a un passeport diplomatique africain, de l'Union africaine, un passeport diplomatique de la République sahraoui et un autre de l'Algérie. Il est entré en territoire espagnol avec le passeport diplomatique algérien. Ça, c'est pour dire que toute la propagande autour de l'identité falsifiée, c'est tout à fait un montage que l'on connaît bien d'où il vient. C'est du Maroc, des services marocains qui ont voulu dire comme si le président sahraoui se cachait. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Il est entré bel et bien avec un passeport diplomatique algérien. Deux, la crise entre le Maroc et l'Espagne est une crise créée par le Maroc qui voulait que l'Espagne et l'Union européenne suivent Trump en reconnaissant la souveraineté d'une manière illégale, de la présence illégale du Maroc dans notre pays. Depuis déjà plusieurs mois avant l'entrée de notre président pour des soins en Espagne, il y a une crise entre l'Espagne et le Maroc. Parce que le Maroc, un, il a annulé la rencontre officielle, étatique, au plus haut niveau, la réunion mixte entre les deux pays. Et deux, il a déjà envahi les îles Canaries par l'immigration clandestine. Donc, le Maroc cherchait un prétexte. Sur la fausse identité présumée de Brahim Ghali lorsqu'il est arrivé en territoire espagnol, quelle est la position de Madrid ? La position de Madrid est que le président sahraoui et secrétaire général du Front Polisario est venu pour des soins. Il s'agit d'une situation où les Espagnols ont répondu à notre demande et c'est pour des raisons tout à fait humanitaires. Et ça n'a rien à voir avec la question du Sahara occidental, ça n'a rien à voir avec le conflit du Sahara occidental, ça n'a rien à voir avec la position de l'Espagne sur cette question. Mais le Maroc cherchait un prétexte, voilà, il a utilisé ce prétexte et on a vu que le Maroc est passé très loin, est allé très loin, il a passé toutes les lignes rouges en envahissant le territoire espagnol. Alors, Monsieur le ministre, comment va-t-il, Brahim Ghali, d'une part qui assure son intérim en son absence et quand doit-il reprendre ses activités à la tête de la République sahraoui et de votre mouvement, le Front Polisario ? Il va sur le plan de la santé, il va bien, il fait bien sa convalescence et son intérim est assuré par le Premier ministre. Vous savez, nous avons une direction collégiale, le Front Polisario a un secrétariat national dont les prérogatives sont très connues. Et il y a un gouvernement qui assure l'intérim, un gouvernement, un exécutif. Et nous avons aussi un Parlement. Donc les institutions de l'État sahraoui fonctionnent et les institutions du parti et du Front Polisario fonctionnent. Alors vous savez que les conséquences de cette crise diplomatique, eh bien, c'est une amplification de la crise migratoire avec l'afflux de migrants dans les enclaves espagnoles. Quel regard vous portez sur cette crise migratoire et est-ce que vous, le Front Polisario, la République sahraoui, vous prenez votre part de responsabilité dans le drame humain que l'on a pu voir et qui se déroule en ce moment d'ailleurs ? Le drame humain le vit le peuple sahraoui depuis 1975. Ceux qui ont soutenu le Maroc
dans son entreprise coloniale et d'agression contre le peuple sahraoui, ceux qui ont bloqué avec le Maroc le processus de paix au Sahara occidental assument aujourd'hui malheureusement la responsabilité. Le Maroc a utilisé chaque fois l'immigration clandestine, voire la drogue. Le Maroc, selon les Nations Unies, ce n'est pas moi qui le dis, est le premier fournisseur du cannabis au niveau européen. 80% de cette production mondiale vient du Maroc. Et aussi, tous ceux qui ont assisté ou participé à des actes terroristes, notamment en Espagne, en Belgique et en France, c'est des Marocains. Il faut que le Maroc cesse de violer les frontières de ses voisins. Il faut que le Maroc respecte ses propres engagements. Nous avons signé un accord mais monsieur le ministre, avec le Royaume vous niez toute responsabilité, même indirecte, dans ce que l'on observe aujourd'hui, cette crise migratoire, ce drame humain. Nous sommes, madame, victimes, avant l'Europe, de ces marches vertes que le Maroc appelle vertes, mais qui sont des marches qui violent tous les principes du droit international, du droit international humanitaire. Les Marocains déjà ont marché pour cacher l'agression contre notre pays, ont marché avec des marées humaines contre notre pays. Ils le font d'une manière systématique contre l'Europe. Et c'est vrai que ce chantage continue du Maroc, l'on voit aujourd'hui que les gens commencent à se sensibiliser et le connaître. La réaction du Parlement européen, c'est parce que le Maroc continue à envahir le territoire européen par des immigrés aussi bien marocains que subsahariens. Je vous dis une chose très importante. Les frontières aujourd'hui du Maroc sont pratiquement fermées avec l'Algérie et avec la République sahraoui, qui est une partie occupée par les troupes marocaines. Il y a un mur qui sépare les zones occupées et les zones libérées. Ils sont infranchissables. Les subsahariens qui arrivent à Ceuta et Melilla et qui passent du Maroc vers les îles Canaries sont emmenés par l'aviation marocaine, par Royal Air Maroc. Il y a des capitales de l'Afrique de l'Ouest, il y a des connexions pratiquement 2 à 3 fois par jour qui n'emmènent que l'immigration clandestine. Le Maroc utilise ça, malheureusement. Ce n'est pas de la propagande, il faut demander aux organisations européenne de quoi il s'agit. Alors, pour terminer avec l'affaire Brahim Ghali, il fait l'objet de graves accusations, torture, génocide. Il a d'ailleurs été interrogé depuis l'hôpital par visioconférence en Espagne. C'était le 1er juin, interrogé donc par la justice espagnole qui, pour l'instant, a décidé de ne pas donner de suite. Mais ces accusations, elles posent quand même la question du traitement des dissidents par votre mouvement. Quelle est la ligne de conduite du Polisario à leur encontre ? C'est des accusations politiques qui n'ont rien à voir avec les allégations portées devant la justice espagnole. Brahim Ghali, le président sahraoui, l'a bien affronté devant la justice espagnole. Il n'y a aucune preuve de ce que dit le Maroc. Mais je vous dis une autre chose. Qui des deux, le Royaume du Maroc ou la République sahraoui, refuse aujourd'hui que la MINURSO, la mission des Nations Unies, qui se trouve au Sahara occidental, détient le pouvoir d'observer la surveillance des droits de l'homme? C'est le Maroc qui refuse, selon tous les rapports du secrétaire général des Nations Unies. Les Nations Unies demandent une institution, un organisme indépendant pour surveiller les droits de l'homme. On va y revenir, donc, monsieur le ministre, mais sur les accusations de torture et de génocide, vous n'avez pas répondu à ma question, parce que ça pose quand même le problème du sort des dissidents de votre mouvement. Quelle est la ligne de conduite, je répète ma question, du Front Polisario à leur encontre? Mais notre réponse est que cette question est une question qui pose la question des droits de l'homme, n'est-ce pas? Et les libertés fondamentales. Qui refuse? Les campements de réfugiés sahraouis, ils ont libérés, sont ouverts. Nous n'avons jamais expulsé ni les organisations des droits de l'homme, ni la presse, alors que le Maroc, les zones occupées aujourd'hui, sont fermées. Si vous allez vous-même et les organisations humanitaires, le Maroc n'accepte pas que vous venez à la Youn ou à Dakhla. Alors, les accusations, soi-disant, d'opposants,
nous acceptons de recevoir tous ceux qui veulent enquêter sur cette question et savoir quelle est la vérité. Les accusations portées devant la justice espagnole, c'est les services marocains qui ont manipulé des personnes qui opèrent à la place des services marocains, c'est tout. Donc vous niez tous les problèmes liés aux dissidents du Front Polisario. Les dissidents du Front Polisario, c'est un slogan que l'on utilise justement pour dénigrer le Front Polisario. Front Polisario est constitué par tous les Sahraouis qui acceptent de coopérer ou de travailler pour l'indépendance de leur pays. Et il n'y a aucune exclusion de personne, sauf celui qui veut s'exclure lui-même. Y compris les Sahraouis qui ont décidé de s'installer au Maroc, parce qu'il y en a aussi. Mais bien sûr. Mais pourquoi le Front Polisario a accepté justement le référendum? C'est parce que nous acceptons le verdict du peuple sahraoui. Et qui bloque le référendum? C'est le Maroc. Alors justement, on en vient au bras de fer avec le Maroc sur le Sahara occidental. Ça fait 40 ans qu'il dure ce bras de fer. D'abord, où en est le cessez-le-feu qui a été rompu en novembre 2020 par la République sahraoui en réaction à une opération militaire marocaine dans l'extrême sud du territoire qui visait à rétablir le trafic routier coupé par vos militants indépendantistes? D'abord, le trafic routier. Il n'y a pas de trafic routier parce que le Maroc a ouvert une brèche dans un mur qui constitue la ligne de séparation depuis 1991. Les troupes sahraouies ne devaient pas s'approcher à 5 km de ce mur, appelons-en tampon, et les troupes marocaines ne doivent pas dépasser ce mur. Le Maroc a ouvert une brèche. Les Nations Unies, déjà, ont appelé le Maroc à fermer la brèche en 2001. Le Maroc a refusé. Il a continué à refuser. Quand les Sahraouis ont demandé la fermeture de cette brèche, parce que justement, à travers cette brèche, il y a les richesses sahraouies qui sont pillées et le Maroc l'utilise pour le transport de ces richesses, des manifestants pacifiques ont demandé que cette brèche soit fermée. Le Maroc les a attaqués et le Maroc a violé ainsi, il a dépassé non seulement le mur de séparation, appelé mur de défense marocain, mais c'est le mur de la honte appelé par les Sahraouis, qui est le mur le plus long au monde, truffé de mines et de barbelés, et qui fait des dégâts parmi la population civile. Bon, le Maroc a violé le cessez-le-feu, mais le problème est que le cessez-le-feu n'est qu'une composante du plan de règlement. Retour dans la grande interview, nous sommes avec le ministre des Affaires étrangères du Front Polisario de la République sahraoui, M. Mohamed Salem Ould Salek. Monsieur le ministre, on évoquait justement la rupture du cessez-le-feu, c'était à l'automne dernier. Est-ce que désormais il y a un risque de voir s'installer un conflit militaire sur la durée? Et jusqu'où vous êtes prêt à aller? Est-ce que vous êtes prêt à franchir une ligne rouge? Les lignes rouges sont déjà franchies. Quand la guerre a commencé, le 13 novembre, après cette agression du Maroc, après que le Maroc a annexé encore une partie de notre territoire, les Nations Unies n'ont pas pu le bloquer, n'ont pas pu l'arrêter. Mais le problème aussi est que le cessez-le-feu n'est qu'une petite, un petit élément du plan de paix que nous avons signé en 1991. Ce plan de paix est basé sur l'acceptation et l'engagement des deux parties, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, après 16 années de guerre. Nous avons accepté un plan de paix qui consiste à l'organisation d'un référendum d'autodétermination pour laisser les Sahraouis le choix de choisir leur futur, de choisir entre l'indépendance et l'intégration au Maroc. Le Maroc a refusé d'honorer son engagement. Et le problème est que il y a une complicité au sein des Nations Unies, mais au sein du Conseil de sécurité. Ce n'est pas seulement le Maroc qui bloque. Il y a un pays européen qui a bloqué le référendum jusqu'à maintenant.
Et voilà, le Maroc ne veut aujourd'hui que l'on reconnaisse, que l'on le reconnaisse la souveraineté tout à fait sur notre pays, ce qui est absolument inacceptable, impossible. On va bien sûr évoquer le bilan de l'ONU, puisque ce cessez-le-feu il a été signé en septembre 1991 sous l'égide de l'ONU, qui prévoyait, vous l'avez dit, dans le cadre d'un plan de paix, un référendum d'autodétermination dans les 6 mois qui ont suivi. Mais c'est le statut du territoire qui pose toujours problème. Entre l'autonomie sous souveraineté marocaine et l'indépendance que vous revendiquez au Sahara occidental, est-ce qu'il y a un compromis possible? Le Front Polisario ne revendique pas un référendum. Et l'autonomie n'est pas l'accord entre nous et le Maroc. Il faut placer les choses telles qu'elles sont. Il faut dire la vérité. La vérité est que le Conseil de sécurité est garant du plan que nous avons signé. Le plan de paix dit qu'il est un plan pratique, est un compromis entre l'intégration au Maroc que veut le Maroc, et l'indépendance, qui était l'objectif que nous avons déclenché la lutte contre les Espagnols en 1973. Nous avons demandé, comme tous les mouvements de libération, comme tous les peuples à qui on reconnaît le droit à l'autodétermination au niveau des organisations internationales, nous avons demandé l'indépendance. Mais nous avons accepté le référendum justement pour donner aux Sahraouis la possibilité d'exercer leurs droits reconnus par la communauté internationale. Le statut est déterminé. Parce que si on dit que le statut n'est pas déterminé du territoire, le statut est un territoire qui, au niveau de l'Union africaine, c'est un État qui est reconnu par plus de 80 pays dans le monde. Et au niveau des Nations Unies, on le traite toujours comme étant un territoire non autonome. À savoir que ce n'est pas une partie du territoire marocain. La Cour internationale de justice de 1975 déjà l'avait dit, et toutes les organisations internationales ne reconnaissent pas la souveraineté du Maroc. Sur le Sahara occidental. Et sur le bilan de l'ONU, monsieur le ministre, maintenant Je m'excuse de dire, c'est faux de dire qu'il n'y avait pas un accord sur les votants. C'est une falsification de tous ceux qui veulent sacrifier le peuple sahraoui et confisquer ses droits. Sur le bilan de l'ONU et de la MINURSO, hein, c'est la mission qui est chargée d'organiser normalement ce référendum d'autodétermination au Sahara occidental. Quel bilan vous faites parce qu'il n'y a toujours aucune issue. Comment vous jugez ses actions et son rôle? Franchement, c'est là où le bât blesse. Les Nations Unies ont créé la mission, leur mission au Sahara occidental, appelée mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental. Cette mission a été créée pour organiser le référendum. Puisque le Maroc voyait qu'il n'allait pas gagner ce référendum et qu'il n'y avait pas de possibilité de le falsifier, ils ont bloqué ce référendum. Qui est le garant de ce plan? Les garants sont les Nations Unies et l'Union africaine. On se demande aujourd'hui pourquoi les Nations Unies, jusqu'à maintenant, qui bloque au niveau du Conseil de sécurité cette mission de pouvoir terminer son travail, de pouvoir organiser le référendum. Alors vous faisiez allusion à un pays européen tout à l'heure au sein du Conseil de sécurité. Ce pays, c'est la France? C'est la France. C'est la France que reprochez-vous à la France? Pardon? Que reprochez-vous à la France? Nous reprochons à la France de s'aligner sur un pays de la région contre les intérêts des autres peuples, mais contre les intérêts de la France. La France, c'est la France qui a tracé les frontières du Maroc et du Sahara occidental. C'est la France et l'Espagne. Nous ne voyons pas pourquoi la France défend l'intégrité territoriale du Mali et pousse dans la même région pratiquement le Maroc à violer les frontières. Alors que l'on sait que les frontières africaines, les frontières héritées de l'époque coloniale, sont constituées un principe fondamental de l'existence même de notre organisation régionale. C'est grave que la France, qui se dit la partie des droits de l'homme, refuse à la MINURSO de superviser les droits de l'homme.
Vous dites que Paris a bloqué les décisions de la Cour de justice européenne sur des accords de pêche, des accords agricoles passés entre Bruxelles et Rabat. On précise quand même que le Sahara occidental, c'est un territoire qui est riche en ressources naturelles. Il y a du phosphate, il y a des zones de pêche. Et donc, vous reprochez ces intérêts qui lient, les intérêts économiques qui lient l'Union européenne et le Maroc. Effectivement, le pillage des ressources naturelles par des sociétés étrangères, mais surtout l'encouragement du Maroc à continuer son occupation, a une explication économique. C'est le pillage de nos ressources naturelles et la France, malheureusement, et l'Espagne aussi, sont responsables de cette situation. Et dans le même temps, monsieur le ministre, le Maroc a beaucoup développé ce territoire aussi. Il y a ces 435 millions d'euros d'exportation essentiellement du poisson vers l'Europe. Donc ça veut dire qu'il y a de l'emploi. Il y a aussi des entreprises au Sahara occidental. Si vous obtenez gain de cause dans le conflit, ce bras de fer actuellement avec Rabat, que deviendront ces entreprises et ces emplois, les intérêts marocains ? Nous sommes toujours prêts à avoir des relations de coopération avec tous nos voisins, y compris le Maroc. Et même avec les entreprises étrangères, nous l'avons dit devant la Cour européenne de justice que nous sommes disposés à signer des accords, à continuer à traiter avec les compagnies européennes et autres sur la base du respect de notre souveraineté, de notre intégrité territoriale. Nous sommes un petit pays riche, nous ne pouvons pas ne pas profiter du savoir-faire aussi bien des Marocains qui sont nos voisins et nos frères. Aujourd'hui, nous sommes confrontés parce que ce n'est pas le peuple marocain, je le dis, c'est malheureusement le gouvernement marocain qui agresse notre peuple. Et c'est dommage parce qu'il nous fait perdre des occasions de coopération et de développement. Mais la République sahraoui, sachez bien que nous sommes ouverts à toutes sortes de coopérations sur la base du respect de notre société. Un mot sur la position des États-Unis, puisque Donald Trump s'est rangé du côté américain en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Pour l'instant, Joe Biden, il ne s'est pas prononcé. On sait qu'il y a des sénateurs américains tout de même qui lui ont demandé de revenir sur sa décision. C'est un petit peu compliqué parce qu'on imagine que les États-Unis soignent le rapprochement entre Israël et le royaume chéritien. Est-ce que vous êtes en contact avec des lobbies américains, par exemple ? Non, il faut dire d'abord que cette déclaration de Trump viole tout à fait le droit international. C'est une grave violation du système, je dirais des principes fondamentaux sur lesquels repose le système international et les relations internationales, parce que reconnaître la souveraineté d'un État sur un autre est contraire aux dispositions de la Charte des Nations Unies, à l'avis de la Cour internationale de justice, et contraire même aux intérêts des États-Unis d'Amérique et à ses responsabilités en tant que pays membre permanent et non des moindres du Conseil de sécurité. Donc, il faut dire que la dernière déclaration du porte-parole des départements d'État des États-Unis avait dit qu'il y a une grande différence entre la vision et la politique de Trump sur cette question du Sahara occidental avec la vision et la politique de Joe Biden. Aussi, vous savez, ces derniers jours, le Pentagone avait des exercices conjoints avec le Maroc et d'autres pays en territoire marocain. Les Marocains ont tout fait pour que ces exercices se déroule en partie dans notre pays, dans notre territoire occupé. Le Pentagone a refusé. Une dernière question, mais, monsieur le ministre. Au niveau des Nations Unies, les États-Unis ne peuvent pas continuer à jouer leur rôle comme le penholder, le pays qui détient la plume pour les résolutions sur la question du Sahara. Il ne peut pas être juge et partie. Les États-Unis doivent respecter la position des Nations Unies et je crois que
l'administration de Joe Biden l'a démontré durant la réunion du Conseil de sécurité, la dernière, et nous espérons que cette question de Trump soit comme lui du passé. Dernière question, Monsieur le ministre. Votre allié et soutien militaire, c'est l'Algérie. Quelle est la nature exacte de vos relations? Car vous revendiquez, c'est vrai, l'indépendance, l'autonomie sous votre autorité du Sahara occidental, mais dans le même temps, est-ce que vous ne craignez pas la tutelle d'Alger, au final? Il faut reconnaître à l'Algérie sa position conforme au droit international, conforme aux décisions des Nations Unies. Il est du devoir de tous les États membres des Nations Unies de soutenir les mouvements de libération et les luttes d'indépendance. L'Algérie l'a fait, non pas pour les Sahraouis, mais l'a fait partout, en Angola, au Mozambique, en Afrique du Sud, en Namibie, pour ne citer que quelques exemples, comme le Sahara occidental, en territoire africain. L'Algérie est un allié, est un ami, mais il faut dire la vérité ici. Tous ceux qui veulent impliquer l'Algérie comme étant le soutien des Sahraouis, je dirais deux choses. La première est que le soutien des Sahraouis, c'est d'abord la légalité internationale. Et deux, tout ce que les Sahraouis récupèrent comme armement, nous l'avons fait durant notre lutte contre les Espagnols, une grande partie. Mais pour résumer, monsieur le ministre, est-ce que vous craignez la tutelle d'Alger, pour résumer? Il n'y a aucun tutelle sur le Front Polisario, il n'y a aucun tutelle sur la République sahraouie. Mais il y a un tutelle sur Rabat. Merci beaucoup, monsieur le ministre, monsieur Mohamed Salem Oud Salek, pour cette grande interview accordée à RT France. Merci, madame. Et merci à vous d'avoir suivi cette grande interview que vous pouvez retrouver en replay sur notre site rtfrance.tv et nos réseaux sociaux. Merci de votre attention et à très bientôt.